Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez et nous continuons notre aventure statistique de la présentation des différents groupes et aujourd'hui on va voir le groupe Balongui et on va voir les statistiques et il y a vraiment des leçons intéressantes à tirer de ce que nous allons voir et voilà donc nous allons commencer rapidement et je vais m'effacer donc vous ne me voyez plus, voilà donc on va passer à la première statistique qui est celle des likes. Les likes sont en fait un indicateur très 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 sérieux de comment les téléspectateurs vont voter ou vont plébisciter. Je ne veux pas dire à 100%, mais c'est un indicateur qui montre vraiment qui a beaucoup plus de cotes. Et comme je l'ai dit, le jour de la compétition, tout peut chambouler. Il peut avoir des performances extraordinaires pour bouleverser les statistiques, mais les likes en matière de statistiques de YouTube, c'est un indicateur qui nous permet de voir un peu la direction de comment les gens vont en fait voter. Donc ici, c'est le groupe Balongui et si vous remarquez bien sur mon écran, il y a vraiment de bonnes informations si l'on est vraiment attentif. D'abord, commençons par les points dominants. Et ici, vous voyez, j'espère qu'on pourra, que le système pourra enregistrer ma souris, mais ici, c'est Ketia Mpayele, qui d'une façon générale domine presque tout le groupe en matière de vues, non plutôt en matière de likes, et elle a plus de 800 likes depuis que son portrait ou son profil a été publié sur YouTube et sur la page de Madiabou Gospel. Elle a près de plus de 800 likes, et c'est vraiment, vous voyez, il y a une dominance vraiment total de Ketia Mpayele, de Ketia. Et après elle vient, je crois, Grace Lokua. Grace Lokua qui est aussi l'un des meilleurs candidats de ce groupe, qui a beaucoup plus de visibilité, qui a un single. Et, mais lorsqu'on compare Grace à Ketia n'est pas tellement visible, mais je pense qu'elle a beaucoup de personnes qui la suivent et qui l'aiment, donc qui la plébiscitent. Donc, elle est vraiment bien partie pour être à la tête de ce groupe. Voilà, donc elle domine dans le nombre de likes avec près de plus de 800 likes et vient à sa chasse gardée Grace Lokua qui est à plus de 600 likes et après Grace Lokua et nous avons une petite compétition entre Ruth Kimogili, vraiment qui pour moi est une surprise. Je m'attendais pas à voir Ruth Kimogili ou Kimongili, Ruth Céline Dion. Je ne m'attendais pas à la voir vraiment avec beaucoup de likes, la fille des provinces et voilà, et qui combat même à armes égales avec Rabhi Panzou, que l'on sait a des armes plus aguerries. Donc, Ruth Kimogli, ça m'a surpris de la voir vraiment être dans le groupe des 1, 2, 3, des 4 premiers qui sont à la tête de ce groupe. Donc, on a 2, on a 3 pratiquement de Kinshasa. Et la seule candidate des provinces qui réussit à combattre à armes égales avec les Quinois, c'est la sœur Ruth Kimunguli. Bravo à Ruth et qui a vraiment je crois elle a des likes aux environs de 500, 570 likes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Donc, en tête, les 4 premiers, comme je le disais, Ketia Mpayele, après vient Grace Lokua, que vous voyez ici, Grace Lokua. Et après Grace Lokua vient Ruth Kimunguli,
et puis Rabbi Panzo. Donc ça, c'est tous ceux qui sont au-dessus de 500, de 500 likes. Et il y a deux, il y a plutôt un qui est au-dessus de 600, qui est Grace Lokwa. Deux qui sont au-dessus de 500, Ruth Kimongoli et Rabbi Panzou. Et celui qui vole dans le nuage, ou celle qui vole dans le nuage, c'est Kesha Mpaele.